Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous pour ceux qui nous rejoignent pour cette dernière session de la semaine. Quand je dis dernière session de la semaine, ceux qui étaient avec nous depuis lundi matin pour notre semaine de Best of Max, vous avez eu l'occasion de voir tout un tas de sujets divers et variés. On a démarré lundi sur le design, on a parlé de motion, de photos, de vidéos. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale illustration. Et spéciale illustration, sous-entendu, eh bien, on va continuer ce qu'on a démarré ce matin. On a regardé les nouveautés de Photoshop, de Fresco, d'Illustrator, l'arrivée d'Illustrator sur iPad ou de Photoshop sur iPad. Et aujourd'hui, on fait une session Art and Talk. Les habitués de la chaîne, les habitués de Behance savent qu'on a régulièrement ces sessions. Elles sont en partenariat avec IAMAG, qui nous permet, eh bien, de rencontrer les plus grands artistes internationaux autour du concept art, autour du cinéma, du jeu vidéo, etc. Et aujourd'hui, je reçois donc Geoffrey Ernaud. Bonjour Geoffrey. Merci de m'avoir. Bienvenue à toi, bienvenue Merci. de nous, bienvenue de très loin, parce que t'es pas en France toi en ce moment. Non, et en effet, je suis à Los Angeles, là. Il est 9 h du mat pour moi, et comme je te disais tout à l'heure, ça fait. Je ne me souviens pas la dernière fois où je me suis levé si tôt. Donc, merci. Alors, ça va être une longue journée. Ça va être chouette. Ça va être une très longue journée, mais figure-toi qu'ici, elle a été très longue aussi de notre côté, mais qu'on est très content justement de pouvoir rencontrer les gens sur les directs qui nous suivent et qui échangent déjà, qui sont déjà fort nombreux. Bonjour du coup à Zo, Yamag, Edouard Noisette, Sébastien Hu, Jean Bûcher, Gravity Blast, Jérémy Vitry, Anthony Schmitt, Elkier, Nana, Yann Poisson, Sébastien Couder, Fifi Lamort, Diatoufaille, Virginie Tizi. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Vous êtes trop nombreux. Ah, Je c'est vous aime cool, ça fait beaucoup. plaisir. Vous êtes hyper nombreux, c'est cool, mais du coup, je vais pas tous vous citer. Pour les gens qui nous suivent du côté YouTube, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, je vous ai mis tout en haut un petit lien qui dit rejoignez-nous sur Behance. Parce que quand vous êtes sur Behance, eh bien, je regarde vos portfolios, je regarde qui fait quoi. Ça permet aussi d'avoir le regard sur une seule fenêtre plutôt que sur quatre fenêtres différentes. Et ça m'arrange, ça me simplifie la vie. Geoffrey, si tu veux, devais te définir en quelques mots, que nous dirais-tu? Du coup, je m'appelle Geoffrey Arnaud, je suis concept artiste dans le milieu du jeu vidéo et du film, et à côté de ça, je développe aussi, je suis aussi développeur jeu vidéo en indépendant. Et c'est un chemin en fait, que j'ai suivi, surtout côté jeu vidéo, depuis seulement les dernières années. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, c'est un chemin en fait, où j'ai l'impression que sur lequel j'ai été mis depuis très longtemps, car en effet, je vois cette image justement, là je voulais parler un petit peu de ces images-là, et je me rends compte qu'en fait, c'était pas loin de 10 ans en fait que j'ai cet intérêt, en fait, pas juste pour le concept et les images, mais aussi pour tout ce qui est moteur de jeu. Par exemple, cette image que je vois qui a au moins 7 ans Ah, avait déjà attends, été j'ai fait... pas encore partagé ton écran, t'es fou toi. C'était encore la version sans image. Tiens, voilà, on a ton écran, on a ton image. Ok, pas de problème. Et... Donc du coup, on parlait tout à l'heure avec toi, Franck, de présenter quelques images, et justement, je viens de moi-même de me surprendre en quelque sorte, parce que je vois cette image qui a au moins 7 ans, et j'avais oublié qu'en fait, déjà à cette époque-là, j'utilisais des moteurs graphiques de jeu, en fait, pour un petit peu placer tous mes objets et peindre par-dessus. Et aujourd'hui, en fait, c'est justement utiliser des moteurs graphiques comme ça est vraiment devenu encore plus une passion qu'à l'époque. En plus d'utiliser bien sûr Photoshop dans presque la majorité des images que je fais. Et donc le genre d'images que je fais en général sont assez organiques. J'aime beaucoup peindre des trucs comme ça, type forêt, assez coloré. Et en général, au niveau thématique, le truc qui me plaît le plus, c'est de faire des choses qui sont un petit peu, pas forcément style horreur, mais des choses qui sont un petit peu, comment dire? Qui peuvent porter, qui peuvent faire un petit peu peur, mais tout en ayant en fait un petit côté Joyeux, attirant en fait. ouais, le côté malaisant dans l'horreur. C'est ça, exactement. C'est ça. Et donc du coup, j'aime beaucoup faire ce genre d'image où en fait on se dit bon, qu'est-ce qui se passe dans cette espèce de château? C'est quoi ces espèces de monstres? Mais en même temps, voir la lumière, l'atmosphère, se dire ah, ça doit être chouette d'être au milieu de ce canyon. Avec la lumière qui vient de partout, quoi.
C'est ça, ouais, tu donnes envie, tu pièges les gens et tu les C'est attires ça. dans des ruines étranges. Ok. Exactement. Et je vais mettre mon pull parce que comment ça fait un très froid du coup. Il fait froid à 9 h du matin à Los Angeles. Parce C'est que... très décevant Ah, à c'est Los Angeles, ça. hein. Bah C'est oui, plus que j'ai pas c'était. l'habitude. J'ai pas l'habitude d'être debout à 9h, donc je ne connais pas le microclimat qu'il y a à Los Angeles ce matin. Très bien. Et donc voilà, depuis, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans l'industrie du jeu vidéo et du film. Et à l'époque, donc mon premier boulot en France, c'était chez Cyanide, où en fait j'avais un stage d'été. Et ensuite, ça a transitionné vers Guerilla Games en Angleterre, où j'ai bossé sur ce petit jeu qui s'appelait Riggs, en fait, pour le casque de Sony à l'époque. Il me semble que c'était il y a 4-5 ans maintenant. Et plus récemment, je bossais à Riot sur leur dernier jeu Valorant, et Ouais. sur d'autres projets aussi de recherche et développement. Et à côté de ça aussi, pas mal de freelance pour du film aussi, comme à l'époque, je bossais sur Pirates des Caraïbes pour MPC, et aussi sur une boîte que j'adore qui s'appelle Airship Syndicate, pour juste un court épisode, mais qui était vraiment intéressant sur Battle Chasers. Et voilà, et après, Ouais, c'est marrant deux, parce trois que petits trucs en c'est freelance. vraiment super varié pour le coup en termes de style, en termes d'ambiance, entre des trucs très glauques, les trucs plus joyeux, les trucs plus colorés. Ah si, ouais. C'est vraiment un truc que j'ai essayé de faire depuis assez tôt. En fait, dans ma carrière, c'est vraiment essayer de pas vraiment me limiter au niveau technique et sujet, et en fait, vraiment essayer de m'amuser avec juste la création des images, quoi. Pas forcément me forcer à aller à suivre un chemin précis et essayer de devenir le meilleur dans une catégorie en particulier, mais vraiment juste explorer et essayer de faire des choses assez variées. Carrément, carrément. Et du coup, là-dedans, ouais, c'est. Là, tu nous as montré ton best-of perso parmi ton ArtStation, parce que c'est quand même pas mal de production. Il y a vraiment énormément de contenu. Ça, c'est quoi? C'est 10 ans de carrière, tu me disais? Au moins, oui. En fait, le truc, c'est que même en étant toujours à l'école, j'ai fait des études à l'ISA à Paris, mais même en étant à l'ISA, en fait, je faisais déjà du freelance à côté. J'ai commencé à peu près à dessiner depuis que j'ai 16 ans, donc j'en ai maintenant 30. Donc, au moins 14 ans, vraiment dessiner constamment, mais à peu près 10 ans, j'ai envie de dire à peu près 10. 10-12 ans à vraiment être dans l'industrie de manière professionnelle. D'accord, ouais, écoute, bravo en tout cas. Une Merci. belle performance. Quand on est dans le concept art, il faut être absolument très productif, je suppose. Oui, en fait, ça dépend vraiment le type de boulot et ce qu'on appelle le prototype, mais la version courte, c'est que pour vraiment en faire un métier, c'est. Il faut se dire qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas énormément de concept artistes, il y a à peu près 10 ans, donc c'était plus facile de trouver un boulot, mais au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui essaient d'avoir ce boulot que, en fait, c'est vraiment bon, malheureusement, et aussi heureusement, c'est la personne qui travaille le plus et qui vraiment arrive à développer ses capacités, qui en général récupère le boulot, quoi. Quand on regarde même, j'ai pas vraiment les statistiques sous mes yeux, mais si on regarde par rapport, une promo d'école aux personnes qui justement partent sur des études ou qui veulent faire ce genre de boulot pour vraiment avoir des places intéressantes. En général, oui, il faut vraiment faut bosser dur quoi, pour avoir ce genre de poste. Carrément, carrément. Alors, j'ai vu que tu avais switché, tu avais migré sur Photoshop. Ouais. Explique-nous un petit peu ce que tu vas nous faire aujourd'hui, comment tu approches Photoshop de ton côté. C'est ton outil au quotidien, en fait? Oui, Photoshop, c'est vraiment alors j'utilise un petit peu tout de temps en temps. Dès qu'il y a un nouvel outil qui sort, j'aime bien essayer en général et apprendre à utiliser l'outil, voir ce qui est possible de faire avec. Mais vraiment, Photoshop, c'est mon outil professionnel que j'utilise au quotidien pour faire des images pour un client. En fait, vraiment, quand je sais que j'ai besoin de faire un boulot, j'ai pas vraiment de doute là-dessus. C'est vraiment, je démarre Photoshop et je commence à bosser dessus, quoi. Et aujourd'hui, en fait, ce que je voulais faire avec vous, c'est vous montrer une technique en fait que j'utilise pour créer des images quand je n'ai pas vraiment d'idées. Parce qu'en fait, je pense que ça nous a tous arrivé en fait, en tout cas à tous ceux qui dessinent, Tous tous ceux ceux qui qui ont essayé de dessinent, ouais. peindre.
Je pense que ça nous est tous arrivé un jour d'avoir une page blanche comme ça et de se dire, bah mince, j'ai absolument aucune idée, je sais pas quoi dessiner. Quoi dessiner, pardon. Et bah, du coup, en fait, c'est le genre de technique que j'aimerais montrer avec vous aujourd'hui en espérant que ça vous aide à justement pouvoir dessiner n'importe quand sans pression, quoi. Ouais, carrément, carrément. Voilà. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer une image à partir de chaos. C'est-à-dire qu'en fait, à ce niveau-là, en fait, quand je commence à dessiner, j'ai pas vraiment de. D'idées en tête. C'est ça, j'ai pas vraiment de direction particulière vers laquelle je vais. Par contre, ce que je fais, cette étape, c'est que je vais poser quelques valeurs. Donc, en étant sûr que j'ai donc des noirs, gris et blancs à peu près partout dans l'image pour créer une espèce de fausse profondeur. L'idée, donc, ça va vraiment être d'essayer de découvrir un petit peu une composition. À ce niveau-là, j'essaye d'utiliser plein d'outils pour vraiment détruire un petit peu l'image pour justement. Est-ce que tu sais, quand tu démarres une session comme ça, si tu vas partir sur de la ville, de la nature, ou justement tu es en mode vraiment découverte et test? C'est vraiment en mode découverte. C'est une méthode que j'utilise vraiment quand je suis sur de la recherche et que je n'ai pas vraiment d'idée vraiment de ce que je veux faire. Quand j'ai une idée en général de ce que je veux faire, j'ai déjà des outils, on va dire que des outils que je peux utiliser pour justement arriver vers cette composition finale. Mais en général, je démarre assez souvent comme ça parce que justement, il arrive très souvent que justement que j'ouvre Photoshop et que je n'ai pas vraiment d'idée ou que je sais, sache pas vraiment sur quoi je veux pousser. Mais là, on voit déjà rien qu'après quelques secondes, en fait. Qu'on a déjà en fait une ligne d'horizon et en fait une espèce de direction qui apparaît avec un sujet qui pourrait être au milieu. Par contre, à ce niveau, j'essaie de ne pas verrouiller quoi que ce soit en fait trop tôt parce qu'en fait le risque c'est justement de juste voir quelque chose apparaître rapidement et d'immédiatement se dire oh je vais peindre ça en fait. En général, le plus longtemps le plus je passe de temps justement à cette étape où je vais juste faire de l'exploration, on va dire, le meilleur en général, la composition finale et l'image finale. En général, j'utilise aussi pas mal de photos là-dessus, mais je vous montrerai cette étape dans quelques instants. Parce qu'en fait, c'est vraiment cette partie en général la plus importante, vraiment poser les valeurs et être sûr qu'il y ait une composition intéressante. Je mens légèrement quand je dis que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, parce qu'en général, quand je ne sais pas vraiment ce que je peins, j'ai tendance à vraiment partir sur des images assez boisées, on va dire des trucs avec des forêts, des trucs assez organiques. Et donc, on voit déjà mon espèce d'habitude de foutre des troncs d'arbres un petit peu partout. Écoute, en tout cas, il y a Mélocoton qui nous dit sur le chat ah, trop bonne idée, l'anti-page blanche. Et Christine Deschamps qui nous Yes. dit une recette contre la page blanche, mais c'est Noël. C'est Voilà, ça. mais c'est Noël 1 mois et demi en avance, c'est fou ça. Ce qui est cool, c'est que ça marche aussi avec d'autres médias. C'est pas juste du digital, c'est pas juste de la peinture, mais vraiment l'idée en ressortie avec ça, c'est que en fait, si vous passez assez de temps sur une image et que vous mettez pas trop la pression et vous amusez avec l'image, en général, il y a quelque chose qui va en sortir. C'est pas comment dire. Et justement, en se mettant la pression et en essayant de se dire, ah, faut absolument que je trouve une image, faut absolument que je vois, faut que j'arrive à trouver un truc à dessiner. En général, c'est là où on se retrouve à perdre beaucoup de temps et se mettre la pression pour un rien. Alors que en général, c'est plus intéressant et plus productif de vraiment s'amuser avec l'image, essayer de trouver un truc cool. Voilà. Carrément. Alors, du coup, je remets des liens aussi pour les uns les autres dans les deux chats, du côté Behance et du côté YouTube. Comme ça, vous avez le lien du ArtStation de Geoffrey et vous pourrez aller regarder, prendre le temps de gratter, de voir un petit peu toutes les différentes phases et différentes époques. Je vous ai remis aussi le lien de Christine Deschamps qui était avec nous le mois dernier. Pour un art and talk, donc j'ai pas pris beaucoup de temps de réexpliciter ça, mais tous les mois on essaye de réunir en collaboration avec IAMAG des artistes dans des domaines très créatifs.
beaucoup autour de l'illustration évidemment, qui viennent passer du temps avec nous, présenter leur portfolio, présenter leurs méthodes, leurs trucs et astuces, beaucoup leurs inspirations pour qu'on comprenne un petit peu d'où ça vient tout ça, même avec la page blanche au départ. Et du Page coup, blanche. voilà. Donc n'hésitez pas, hein. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs d'Yamag, france.yamag.co. Ça vous permettra de retrouver alors la session du jour, évidemment. Ça vous permettra de retrouver les sessions live Adobe, toutes les sessions précédentes. Et ce que vous pourrez retrouver dessus, c'est la partie yamag.co France. Il n'y a vraiment que les sessions en français, mais il y a les masterclass qui ont lieu presque tous les ans depuis quelques années et qui réunissent pendant 3 jours les plus grands noms du cinéma, du jeu vidéo au niveau concept, animation, VFX ou autre. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil. J'ai vu que Yamag nous avait posté le lien de France, donc je vais le mettre de l'autre côté aussi. Je vois que tu as un paquet de brosses. Oui, ça c'est Enfin, il y a un c'est outil que forme j'utilise. personnalisée. C'est ça, oui. J'ai aussi Photoshop en anglais, donc n'hésitez pas s'il y a des trucs que j'utilise dans le chat, les gens ont des questions sur les outils et tout. Et d'ailleurs, c'est cool que je t'ai sous la main pour pouvoir traduire tout ça pour moi, parce que j'ai aucune idée des noms des outils en français pour Photoshop. Mais oui, ça c'est tu me disais les formes personnalisées. Ouais, c'est les formes personnalisées qu'on va pouvoir tirer pour pouvoir peupler rapidement la page. C'est ça. Donc, pour l'outil des formes personnalisées, en fait, ça, c'est un truc que j'ai appris en regardant les images de Sparte. Ce qui est cool, c'est justement de pouvoir balancer des formes comme ça pour justement avoir des idées. Je ne vais pas forcément en utiliser beaucoup là, c'est juste vraiment plus pour montrer la méthode. Parce qu'en général, le problème pour moi des formes comme ça personnalisées à cette étape, c'est qu'il y a un risque où, en fait, les formes sont trop explicites. Et donc, je vais être trop tôt forcé de taper quelque chose de particulier sur l'image. En fait, cette place, si je cale un arbre, justement, de me dire, ah, bah, il y a un arbre, donc il faut que ce soit une image avec des arbres, en fait. C'est quelque chose que j'essaie d'éviter en général. Carrément. Alors pour ceux qui seraient intrigués par les formes personnalisées, j'ai une info à donner pour tous les concept artistes, les peintres, etc. Depuis la version de CC, Photoshop CC 2021, qui s'appelle d'ailleurs même plus CC dans le nom, depuis Photoshop 2021, vous avez sur votre panneau forme, sur votre panneau nuancier et sur votre panneau brosse, une petite loupe pour aller rechercher directement le nom de la forme que vous souhaitiez utiliser. Ce qui fait que si vous avez un pinceau favori et vous vous rappelez jamais dans quel dossier vous l'avez mis, eh bien il sera dispo là. Et ça, c'est la grosse révolution. En tout cas, de mon côté, ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça que je suis ravi et extatique. On va pouvoir avoir à nouveau plein de brosses. C'est où ça du coup que je monte ça Alors, en direct si pour... tu prends par exemple, toi tu as les formes au clic droit, mais si tu vas dans ton menu fenêtre et que tu affiches le panneau de forme, Windows, pardon, et ça doit s'appeler Some Custom Shapes, shapes. Shapes, voilà. Ouais. Et là, normalement, sur la dernière version, si tu es bien à jour, en haut, tu as un petit. Directement dessus, là. T'as la première ligne, ça doit être une ligne de loupe, non? Attends, je suis en train de regarder sur mon Photoshop en direct. J'ai peut-être pas les nouvelles versions, Alors, donc est-ce que tu es sur 2021 ou sur 2020? Que dit ton bah, il Photoshop? me semble que je suis sur 2021. Je suis pas sûr de regarder. Bah, Bon, autant. ce sera quelque Ce chose sera. à vérifier plus Et sur ton tard. panneau pinceau, est-ce qu'il y a ça sur Brush? Non, il me semble que Alors tu l'auras j'ai pas pas dans de le clic loop. droit hein, de toute façon, mais sur le Ah, c'est panneau, vraiment la fenêtre. ouais, c'est vraiment la fenêtre, hein. Brushes, plus haut, voilà. Et non, t'es pas sur le dernier. Ouais, ils ont rajouté ça, et franchement, c'était un truc où on l'attendait depuis quand même un paquet de temps, de pouvoir rechercher par nom. Parce qu'effectivement, si tu sais que tu cherches des arbres, ce sera plus facile de retrouver d'afficher que les arbres. C'est cool, c'est bon de savoir. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir renommé
ses broches avant Ah, du coup. il va avoir beaucoup de mal à deviner, à deviner le nom de tes brosses à ta place, ça c'est clair. Mais derrière, enfin, moi je l'utilise surtout pour les pinceaux en fait. Tu sais, quand tu cherches un bon gros smudge, etc., tu vas le retrouver là-dessus. Intéressant. Et alors il y a Cracus qui nous dit, mais il est pas à jour. Voilà, bravo. je suis un vieux de la vieille, j'ai moi c'est tout ce qui est nouveau, ça me fait peur. Non, c'est pas vrai, c'est juste que j'ai pas vraiment pensé ouvrir Cloud. Il y a une question de Christine qui nous demande, avec cette méthode, tu as l'air d'avoir un instinct très solide en composition, Geoffrey. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui voudrait travailler ça, hormis l'expérience? En fait, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est que à partir du moment où en fait tu te rends compte qu'il y a un espèce de déficit dans ce que tu dessines, donc dans ce cas-là justement, j'aimerais que mes compositions soient meilleures. Ce que je recommande vraiment, c'est justement de faire des études, c'est-à-dire que de prendre des images, de trouver des images sur Internet qui ont vraiment une très bonne composition, et pas juste des dessins d'autres personnes, vraiment des photos. Des images de tout genre qui ont en fait une composition intéressante et de les copier comme ça juste en s'entraînant quoi. Mais il y a aussi un truc qui est pas mal, c'est que si vous appuyez sur va falloir que tu mettes pour Vas-y, la vas-y, vas-y. traduction en Pour la français, mais translation, pas de problème. Le crop, le c'est crop tree. recadré, l'outil recadrage, ouais. D'accord. Donc l'outil recadrage, en fait, j'ai un je ne sais plus exactement où c'est, mais en fait quand j'appuie sur entrée, Ça ça me donne t'affiche des ça m'affiche les va falloir que je retrouve où est-ce Ça que t'affiche c'est la petite ça? grille et tu la retrouves en fait, tu as une C'est petite icône ça. de grille, voilà, et tu C'est peux ça, ouais, choisir ce que en... tu veux mettre ouais. dessus. Et tu peux C'est ça. parcourir les incrustations. Alors je sais qu'à une époque il y avait un raccourci qui était le raccourci majuscule O pour parcourir les incrustations et je le retrouve plus. Donc peut-être qu'il a sauté. Et du coup tu pouvais les tester les unes après les autres et du coup avoir des grilles personnalisées à réutiliser dessus. Mais oui, en général, c'est donc de tête maintenant, je connais à peu près tout ce qui est toutes les règles d'or, les divisions, les compositions en trois et tout ça. Mais c'est important, je pense, de connaître justement ces règles de base pour pouvoir les appliquer en fait. Et en général, ce que j'essaie vraiment la chose sur quoi je me concentre le plus au début sur une image, c'est premier plan. Second plan et arrière-plan en général, et d'essayer d'avoir un sujet quelque part en fait. Et du coup là en fait si on regarde, on a une espèce d'image qui pour le moment qui part un petit peu vers cet arbre là, vers ce truc en fond. Et encore une fois hein, le truc intéressant avec cette méthode, c'est justement ça permet un petit peu d'explorer. Ouais, bien Mais sûr. ça ne veut pas forcément dire que en fait, l'image va être parfaite rapidement, en fait. Donc il faut vraiment prendre le temps, il faut vraiment s'amuser avec et pas hésiter à détruire un petit peu votre image. Donc la méthode que je fais moi, pour faire ça, c'est qu'en général, je duplique mon calque entier et je mélange un petit peu l'image sur elle-même, en fait, je la replie un petit peu sur elle-même en changeant les modes de fondu, il me semble. Bon mot en français, mais Oui, donc les modes de fusion. c'est ça. Et donc ça me permet un petit peu de découvrir des nouvelles formes sur le truc. Mais je pense que je vais très bientôt passer à la couleur. Alors Medibo nous dit, au passage pour les custom shapes, est-ce que dans les dernières versions, il y a un système de dossier comme pour les brushes ou toujours pas? Eh bien oui, il y a ce système de dossier aussi de rangement. D'ailleurs, si vous ouvrez votre Photoshop, j'allais dire standard, sans avoir rajouté plein de trucs, vous verrez dans les nuanciers, donc dans les swatches, dans les brosses, pinceau, dans les custom shapes ou les formes, vous aurez des petits sous-dossiers, vous allez pouvoir ranger tout ça, ça va être très organisé. Ça devrait faire plaisir à tous les gens qui laissaient du bazar et qui laissaient leur page en vrac pendant très longtemps. Et au niveau pinceau, en fait, je change de temps en temps, en fait, et j'essaie de vraiment pas mettre de pression, en fait, sur le genre de brosse que j'utilise. J'essaie vraiment de changer T'as aussi pas souvent que ta brosse possible. favorite que tu utilises tout le temps, quoi. J'ai un dossier, en fait, de brosse que j'ai fait
au fur et à mesure du temps, en fait, mais ce sont des brosses qui me permettent de travailler. C'est-à-dire, ce sont des brosses où je sais que je vais avoir tous les outils dont je risque d'avoir besoin pour faire un travail. Et donc, en général, c'est surtout pour moi, dans mon cas, être sûr que j'ai des brosses qui sont donc assez molles, tout ça, ou des brosses avec un côté dur et un côté mou pour me permettre de travailler sur n'importe quel type de volume. Et aussi des brosses qui ont plus de texture pour justement permettre de travailler l'aplat de texture avec les brosses pour permettre d'avoir un truc qui n'est pas forcément trop mou, quoi. Un truc qui est assez intéressant. Alors, il y a une question de Cassis qui demande comment on fait surtout pour avoir une telle mèche de cheveux. Ah, c'est facile, il y a juste un mot pour la réponse, c'est la quarantaine. Alors, ouais, non, je pense que lui, il est plus concerné par le problème inverse. Non, c'est. J'ai pas vraiment l'occasion d'aller couper les tiges depuis que nous, aussi à Los Angeles, on a un petit peu tout fermé. Alors, je regarde si je suis pas en train de zapper des questions parce que vous êtes nombreux dans le chat, merci. Du coup, j'ai du mal à suivre. Ça arrive dans tous les sens. Je vais en profiter d'ailleurs pour faire un petit sondage du côté Behance et du côté YouTube. Est-ce qu'il y a des gens qui sont tout nouveaux, qui n'ont jamais assisté ni à une session Art and Talk, ni à une session sur Behance.net? Faites-moi signe, parce que c'est vrai que ça m'intéresse aussi de découvrir les nouveaux. Les habitués, bah vous avez vu, hein, c'est assez familier et tout ça. Et les nouveaux, je suis assez curieux. Christophe me dit, est-ce que ça t'arrive de partir de la même composition? Et de créer deux illustrations radicalement différentes. Ah ouais, on a qu'à faire ça, tiens. Fun. Commencer sur celle-là, la première. Ok. Et à partir de cette première, on va faire quelque chose d'entièrement différent. Alors, clairement, je vais la manière dont je fais ça le plus souvent, c'est au niveau éclairage, en fait. C'est-à-dire que je commence sur une image avec un look particulier et je finis en général par changer l'éclairage, tout ça. Et tu vois, juste en regardant par rapport à cette composition, cette image et en gros celle dessus, en fait, je commence déjà à voir des espèces de formes qui apparaissent là en bas qui sont beaucoup plus minérales, on va dire. Ça me donne vraiment plus l'impression de rocher, en fait. Ce qui me donne envie de foutre un Jean-Jacques sur le rocher. Alors, est-ce que chaque personnage s'appelle forcément Jean-Jacques au début ou pas? Non, il y a aussi Bob, il y a Stéphane, il y a Mélanie, ça dépend. En fait. D'accord. Ça dépend du jour et en fait de l'alignement des planètes. En général, c'est ça qui détermine le nom de la personne. Donc, tu vois, en fait, et c'est une très bonne question d'ailleurs, merci, mais c'est là tout l'intérêt de cette méthode, en fait. C'est justement d'explorer, de trouver comme ça très rapidement, en fait, des compositions différentes. Ça permet justement ça permet d'être sûr qu'en fait, que l'image qu'on est en train de faire est justement quelque chose qui est, comment dire, quelque chose de puissant au niveau de la composition. En fait, le truc que moi, je préfère personnellement avec cette méthode, c'est qu'en général, si j'arrive à identifier une composition ou des formes dans ce chaos, en fait, il y a une forte chance que d'autres personnes voient cette même chose. En général, quand j'arrive à détecter quelque chose là-dedans, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a des lignes qui vont quelque part, c'est parce qu'il y a des formes qui me rappellent quelque chose. Et ça fait déjà la moitié du boulot pour moi. Oui, carrément. Alors d'ailleurs, puisque tu dis forme, 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 j'ai une question de Mélocoton qui me dit, mais d'où sortent les formes personnalisées? Est-ce que ça se crée? Pour créer une forme personnalisée, en fait, tout ce que tu as à faire, c'est que sur un nouveau calque, en fait, tu peins ou tu utilises un outil pour faire ce que tu veux comme forme. Tiens, je vais faire ça à la fin, puis là, top. Il y a plein de tutoriels là-dessus, hein, mais... Énormément, puis on a eu beaucoup de sessions justement sur les formes personnalisées régulièrement, bah, beaucoup avec les concept artistes en fait. Et du coup, en fait, donc si je prends ça, et que là je vais dans édition et il me semble créer une nouvelle
Un, Alors, une nouvelle forme? le terme précis, c'est créer une forme personnalisée. Tout va bien. Ah, je suis pas loin. Non, c'est Et pas grave. voilà, là on même. Est-ce que je l'ai mise? Je me toque. Et du coup, on a la nouvelle forme. Et après, donc en appuyant sur F5, normalement, on a donc toutes les options pour justement changer la manière dont, cette brosse fonctionne en fait. Ah, en fait, elle est pas mal du coup. Ah. Ah. Et voilà. Donc, il y a toujours un travail de customisation de tes brosses. Toi, tu disais, tu les as accumulées avec les années, tu les as fabriquées avec les années, tu les as retrouvées à droite à gauche, C'est quand on avait besoin. un mélange d'un peu tout ça en fait. C'est récemment, par exemple, les brosses que j'utilise le plus souvent en ce moment, c'est les broches de Jamaa Jurabayeb. Je vais Jama qui est, si je dis pas de bêtises, il y a des masterclass avec Jama sur chez Yamag. Attends, je vais regarder ça. Masterclass Yamag. Tac. Et je vais vous mettre mettre un mon petit truc. lien de ça. Yes. Et il a des formes comme ça, des brosses sur DeviantArt en fait. Et elles sont très cool juste parce qu'en fait, récemment, j'aime bien en fait travailler avec beaucoup plus de textures. Et donc ce genre de truc en fait me permet d'avoir ce genre de brosses me permet d'avoir plus de textures, plus de trucs un petit peu à la peinture à l'huile. C'est fun. C'est fun. Carrément. Yamag me confirme qu'il a bien des masterclass et du coup, comme il me confirme, je vais vous poster le lien. Et vous pourrez retrouver ce lien-là. Je vous mettrai, si ça intéresse les uns les autres, le lien du Discord sur lequel on fait toutes les sessions et sur lequel on met, en général, on poste au fur et à... enfin, je poste au fur et à mesure les liens de ce qui est proposé par les artistes, ce qu'on arrive à trouver pour vous, pour compléter un petit peu la session. Et je vais vous remettre le lien du Discord en français. Vraiment le meilleur conseil que je puisse donner si vous essayez de faire cette méthode, c'est de prendre votre temps. En fait, c'est pas cette méthode, c'est pas vraiment le genre de méthode qui va vous donner une image en 2 minutes et l'image va être parfaite et elle va être prête à travailler tout ça. C'est le genre de méthode qui en fait va être sûr que vous puissiez continuer à travailler. En général, par contre, c'est le genre de méthode où bon, ça risque peut-être de prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais en général, vous allez finir par avoir une image cool. Ou au moins des idées de composition sur quoi travailler. Parce que justement, en fait, par cette nature chaotique un petit peu, c'est ce qui fait que ben, il y a des résultats meilleurs que d'autres de temps en temps. Mais c'est vraiment une méthode qui se travaille, en fait. C'est quelque chose qui. En fait, moi, en général, quand j'utilise cette méthode, parfois, bah, la première image n'est pas forcément top, mais en fait, de continuer justement avec cette espèce d'exercice de chaos, en fait, en général, je finis par avoir une image cool. Ou au moins un départ d'image assez cool. En tout cas, ça a l'air pas mal lancé là déjà. Un petit début. Et dans tous les cas, j'ai aussi une autre image que j'ai préparée au cas où on n'arrive nulle part avec cette image-là. Je pense que je risque de passer à la couleur très bientôt. Une fois, ce qui est vraiment important à cette étape, c'est les valeurs. C'est vraiment se concentrer sur avoir un avant-plan, un plan milieu et un arrière-plan pour vraiment permettre de lire en fait l'image, pour vraiment être sûr que même sans couleur, sans rien, en fait, on ait une bonne lisibilité de cette image.
Tiens, d'ailleurs, j'étais en train de penser tout à l'heure par rapport à la question de comment on fait ça. Pareil, tu vas pas retrouver ça dans ta version de Photoshop, ta version antédiluvienne de il y a plus de 2 semaines. Mais Version par papier. contre, sous la petite loupe qui est tout en haut à droite de votre écran avec les espaces de travail, vous pouvez poser plein de questions à Photoshop. Et il y a un panneau découvrir, il y a un panneau qui va vous permettre d'avoir toutes les nouveautés, d'avoir tous les tutoriels, de retrouver les outils dans les panneaux quand vous les cherchez. Donc ça peut être un truc qui est assez utile et intéressant. Je vais vous remettre le lien des nouveautés de Photoshop et notamment les nouveautés sur ce panneau découvrir. Ça me semble important. Pour en savoir plus directement dans l'application. Et du coup, juste en composant ton image, tu commences à te dire, à raconter une histoire dessus. C'est pas C'est juste ça. une photo, voilà, il y a une histoire, il y a un récit derrière, il y a le fameux Jean-Jacques qui est là, il y a son copain Bob qui débarque. Le Jean-Jacques s'est transformé en Ginette et maintenant il y a Saint-Arthur qui arrive avec son épée magique pour justement présenter à Ginette l'épée magique d'Excalibur qu'il a trouvée au milieu de la forêt. Non, mais vraiment, cette étape, c'est vraiment plus une question de placer un petit peu les éléments là où en fait ils doivent être dans l'image. C'est-à-dire que justement à cette étape dans l'image on commence déjà à avoir donc des lignes qui se présentent naturellement donc avec l'arbre avec ça avec toc. Et en fait moi à cette étape de voir ces lignes qui se présentent mon travail devient plus un travail de renforcer ces lignes de composition de renforcer cette image et de rajouter des éléments qui supportent la composition qui est présente en fait. À l'inverse, plutôt dans l'image, c'était plus un travail juste de balancer des trucs de manière aléatoire jusqu'à ce qu'on ait un truc cool qui apparaisse. Mais là, en fait, vu que petit à petit, je commence à avoir des espèces on va dire de choses qui sont de formes qui sont présentées en fait. L'idée est vraiment d'utiliser toutes ces formes. Et de les travailler entre elles-mêmes, en fait. Ouais, bien sûr. Qu'elles puissent se répondre, C'est qu'elles ça. puissent correspondre. Alors pour le coup, tu parlais tout à l'heure qu'à un moment tu finirais par aborder la couleur. Tu nous as parlé beaucoup des valeurs et des lumières dessus. Et je me rends compte que tu as vraiment beaucoup de niveaux de valeur, de profondeur de champ sur ton image. Est-ce que c'est... Ouais. Bon, en fait, ce que je fais, c'est que je commence en général avec donc la valeur sombre en général sera plus proche, et en fait une valeur claire donc sera au fond de l'image. Et donc déjà avec ça, je commence déjà à avoir de la profondeur, c'est-à-dire à mettre des choses comme ça avec des valeurs sombres au premier plan, en fait, donne cette espèce d'impression de profondeur. Et après, en fait, d'avoir des choses qui sont donc c'est juste du parallaxe, c'est-à-dire que j'ai cette valeur sombre qu'on arrive à lire, on se dit ok, ça c'est au premier plan. Et après derrière ça, donc il y a une autre valeur, on dit d'accord, ça c'est juste derrière. Là, on a une espèce d'impression de lumière donc au milieu de l'image. Derrière ça, en fait, c'est vraiment il y a encore une ligne de valeur sombre et derrière ça donc valeur claire. C'est vraiment une espèce de danse entre les différentes valeurs pour justement montrer cette profondeur. Mais de base, ça part vraiment juste du valeur sombre jusqu'à ma valeur la plus claire. Et après, en fait, entre les deux, c'est là où j'essaye de vraiment juste compléter les blancs, en fait. Ouais, et du coup, tu as aussi cette méthode de démarrer sur un timbre poste et d'agrandir au fur et à mesure en rajoutant des détails. C'est ça. En fait, le truc que je fais par rapport au zoom et la taille, c'est qu'en général, je ne zoome jamais plus que ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire qu'en fait, si à ce niveau, je vois encore des choses qui ont besoin d'être travaillées, il n'y a aucune raison de zoomer plus.
D'accord. À ce niveau, en fait, vu que je commence petit à petit à avoir une idée de ce que je veux faire avec mon image, je vais commencer à organiser mon image mieux. C'est-à-dire que je vais commencer à mettre des dossiers, justement, avec mon dossier avant-plan, mon dossier plan au milieu de l'image et mon arrière-plan. Ça va me permettre, en fait, d'ajuster les choses de manière beaucoup plus facile. Ouais, donc t'as... ouais, au départ, c'est le chaos et tu organises au fur et à mesure. C'est Parce que ça. je sais que le chaos, ça a parlé à beaucoup de monde depuis le début de la session, discuter justement du chaos group et tout ça. Mais pour le coup, ouais, tu vas structurer et cette structure te permet d'avoir une image qui soit qui corresponde, qui soit assez forte, qui raconte une histoire. Ça. Et ça me permet aussi de justement, par exemple, maintenant que je sais que je vais avoir des personnages à cet emplacement, ça me permet de bouger en fait ce personnage où je veux, si j'ai besoin de le déplacer un petit peu, ça me permet de changer les designs sans avoir à repeindre tout ce qui est autour Donc là, si j'ai juste besoin de changer l'environnement, je peux faire ça. Mais je pense que je vais partir sur ma couleur parce que il est déjà 40. 9h40 pour moi et 18h40 pour vous. C'est ça. Après, tout va bien. C'est juste la fin de semaine pour tout le monde. Je pense que... Alors, j'avais posé la question tout à l'heure à si on avait des nouveaux, et on a quelques nouveaux qui sont là. Donc, bienvenue, bienvenue Valérie, bienvenue... Qui j'ai vu un petit peu plus haut? Baptiste, que j'avais pas encore rencontré ici. Bienvenue Christophe. Voilà, y a des noms que je découvre, donc ça veut dire que c'est des... Alors, je me rappelle pas de tout le monde, mais en tout cas, dans le chat, on a quelques nouveaux. Michael Merlet nous dit « Oh, l'Art Station est superbe, les taffes sont somptueux et ses paysages, waouh !» Merci. Je vais vous montrer deux méthodes cool pour faire de la couleur. Alors, il y a une méthode de base que les gens utilisent qui, malheureusement, en fait, crée parfois des images qui sont un petit peu molles. Et en fait, cette méthode, c'est juste d'utiliser un. Comment tu appelles ça tu sais, le overlay en français? L'incrustation? Incrustation, merci. Ouais. En général, partir en fait sur de l'incrustation pour la couleur, le problème c'est que ça, en fait ça ne crée pas vraiment des plages de couleurs variées sur les différentes valeurs. Ce qui veut dire qu'en fait au final sur une image, vous allez vous retrouver avec des couleurs qui sont en général assez molles en fait, sauf si bien sûr vous travaillez vos couleurs de plus au fur et à mesure. Mais je vais vous montrer du coup une petite méthode pour vous sortir. Peut-être pour donner un exemple très rapide, imaginez que vous êtes en train de peindre une sphère, d'accord? Si en fait cette sphère, je la mets juste en... Oups. Ah oui, c'est vrai qu'elle est en... J'ai toujours mon... Donc, si vous partez sur une sphère qui est comme ça en fait, et que... Donc on va dire qu'il y a la lumière qui arrive par là, toc. Si je vais juste travailler avec un overlay, en fait, on va juste se retrouver avec une seule couleur qui va être mélangée avec du noir et du blanc sur les lumières, en fait. Et en fait, on se retrouve avec sur un truc qui est assez bof, en fait, assez mou. Et c'est une bonne étape de départ, mais en général, pour moi, je me rends compte que de travailler de cette manière, en général, j'ai toujours besoin de rajouter plein de couleurs et c'est assez difficile. Sauf que si vous commencez avec un plan dégradé, Green Map, il me semble. Gradient map, c'est dégradé, c'est tout simplement dégradé. Attends, regarde. Où es-tu, petit dé... J'ai C'est des avec le Alors, cercle attends, à c'est moitié. pire, c'est courbe de transfert de dégradé. Voilà. D'accord. Ouais, tu l'aurais pas retrouvé de tête. Ouais. Et ce qu'on peut faire du coup là, c'est appliquer en fait des couleurs différentes pour les ombres et les lumières. Ce qui veut dire que, en fait, si de base j'ai une espèce d'ambiance un petit peu bleutée dans mon image, dans les ombres ou quoi que ce soit, je peux rajouter ça. Ce qui me permet en fait d'avoir beaucoup plus de variété sur la forme en général en fait. Et un des meilleurs matériels en fait où vous pouvez voir ça, c'est sur de la peau, parce qu'en fait la peau c'est pas, ça va pas juste sur du peu importe le type de personne, hein, que ce soit une personne de type de peau comme ça, caucasienne, ou une personne africaine, ou une personne asiatique, en fait, c'est pas juste une couleur, c'est pas juste, ah, tu pars
d'un ton beige et tu vas sur un ton beige plus foncé et un beige plus clair. En général, en fait, ça part sur beaucoup plus de variété. Ouais. Alors, encore une fois, ça dépend du type de style que vous êtes en train de faire, hein, parce qu'il y a des trucs très graphiques, en général, on a une seule couleur et ça marche super bien. Mais en fait, de partir sur ce genre de méthode, en fait, ça vous permet justement d'avoir des trucs beaucoup plus intéressants. Et quand on applique ça, en fait, sur ce genre d'image où il y a déjà des valeurs, on va voir ça dans une seconde, ça donne des trucs comme ça, par exemple. Ouais, c'est-à-dire que tu as Et déjà des niveaux et juste en rajoutant un petit peu de couleur dessus, tu commences à raconter, à donner l'heure de ta scène, tu commences à... exactement, en fait. Et ça permet justement d'avoir une base. En fait, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont fait beaucoup de peinture, en fait, à l'huile ou ce genre de truc. Hein. C'est comme de commencer sur une base, en fait, de commencer avec un ocre sur le au-dessous de la peinture et de peindre par-dessus. En fait, ça permet justement de mélanger toutes vos couleurs plus tard avec cette base. Et en général, ça rend un truc beaucoup plus intéressant. Ouais, Par carrément. contre, il va falloir que j'appuie sur Reverse. Voilà, ça va être plus intéressant. Et donc ça, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, je vais vous montrer, c'est en utilisant de la photo. Parce qu'en général, ce que je fais le plus souvent possible. Mais donc en général, encore une fois, à ce niveau, j'explore. J'ai pas vraiment de... Bon, je sais que j'ai envie de faire un truc qui est un peu type forêt, donc forcément, je pourrais regarder dans mes trucs verts et voir bon, est-ce que j'ai des verts. Toc. Plus. Est-ce que t'as, toi, des courbes de transfert que tu utilises plus régulièrement ou c'est vraiment à chaque fois t'y vas au hasard, en recherche? Au petit bonheur, la chance. Non, c'est en général, je fais une passe. En fait, j'essaye ces modes d'image là. Enfin, ces dégradés là par de préfet ou ceux que j'ai importés ou que j'ai fait moi-même. Par exemple, celui-là, je trouve assez cool, donc je risque d'utiliser ça. Ou sinon, en fait, ce que je fais, c'est que je crée mon propre, c'est-à-dire que je vais juste aller sur Green Map et là, toc, je vais juste créer mes propres couleurs. Ça, ouais, tu vas personnaliser complètement par rapport à l'ambiance que toi tu veux vraiment donner, hein, dessus. C'est ça. Donc, je veux dire, bon, on va avoir un truc un petit peu boisé, donc on va partir sur un truc un peu vert. Et pour les lumières, on va partir sur un truc un peu plus... assez magique, donc soit du bleu, soit du rose. Mais en général, ce que j'aime beaucoup faire à cette étape, c'est d'être sûr que j'ai plus ou moins deux couleurs différentes pour mes ombres et mes lumières, en fait. C'est ce qui me permet de, si je repars sur mon ArtStation tout à l'heure, en fait, j'essaie de trouver un bon exemple. Alors, il y a une image qu'en général, les gens qui connaissent mon travail, reviennent toujours dessus, mais si vous regardez ce genre d'image, en fait, tout ce qui est les ombres sont en général, on a beaucoup de teintes jaunes, vertes, tout ça, et tout ce qui est lumière, en fait, part plus sur du bleu, il y a des dégradés entre les deux. Et en général, ça part sur ce genre de base. Ça, pour faire ce genre de truc, je pars sur ce genre de début, en fait. D'accord. Ouais, c'est marrant, il y a vraiment, enfin, il y a tellement d'écoles différentes sur la couleur, sur la lumière et tout, entre, ben, comme tu dis, d'abord les valeurs en noir, d'abord le rajout de couleur dessus. On avait reçu Sylvain Sarraille, Toad, qui est lui démarré complètement en couleur. On a eu des échanges avec Samuel Smith, qui était pour le coup entre les deux. C'est-à-dire d'abord des valeurs, puis des valeurs en couleur avant de redémarrer. En fait, chacun a sa méthode, mais vous arrivez Ouais. tous à nous faire des images qui sont percutantes à la fin. Je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de pas hésiter à explorer en fait différents types justement de techniques. Parce que même si là tout de suite je vous montre justement cette méthode où en fait je pars sur du noir et blanc et après je pars sur de la couleur, très souvent je commence aussi juste avec de la couleur dès le début. Ce que je vais peut-être avoir le temps de montrer tout à l'heure si on a un peu de temps, mais. Pas mal cette On couleur. est rejoint par Stéphane Baril, qui Cool. est connu comme le Dumbledore ou le Gandalf des trucs et astuces dans Photoshop. Ah bien. Il a été reçu un Art Weekend il y a quelques années et il a fait une performance à la Fidel Castro. Il a fait 5 heures de trucs et astuces en Photoshop, avec des gens dont les yeux pleuraient de joie à chaque fois, puis de sécheresse parce qu'ils avaient soif dans la salle.
Et il continuait de donner des infos, des clés, des usages de Photoshop. Et vous pouvez retrouver les sessions de Stéphane sur les masterclass IAMAG. Elles sont présentes, elles sont toutes enregistrées, donc n'hésitez pas. Une autre astuce avec justement ces différents calques de couleurs, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que quand c'est dégradé de couleurs, c'est que là, si vous allez dans les options en fait, des calques, vous pouvez en fait choisir de seulement appliquer ces couleurs-là sur certaines valeurs de votre image. C'est-à-dire qu'en fait, là par exemple, j'aime bien tout ce qui passe avec tout ce qui est le rose et bleu et tout ça, sauf que j'aime bien aussi le côté orange dans dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais juste modifier donc dans les options du calque comment en fait ça s'applique sur le calque en dessous. Et je vais juste m'amuser avec ça, voir si ça me donne des bons résultats. Et le fameux Alt dessus, quand tu le sais, tu peux jouer avec. Quand tu l'as jamais vu, c'est genre de la sorcellerie. Quoi. Ça. Le problème, c'est que je perds trop mes bleus. À l'inverse, je vais plutôt peindre sur en fait, voir si ça me donne une meilleure base. Ah ah! Ouais, là, tu commences à rattraper à nouveau une vraie lumière dessus. Ouais, c'est super. Il y a Olivier qui nous dit c'est super classe comme couleur ça. Et encore, il a la version de dans 30, de il y a 30 secondes. C'est ce que j'aime le plus travailler en fait quand je pars en général sur une couleur. C'est fun. Le problème c'est qu'en fait ça m'assombrit légèrement mes valeurs. Donc, partir là-dessus, je pense que je vais juste rajouter du bleu de manière manuelle sur le fond. Histoire de recolorer tout ça. Ça. Il y a aussi, je sais pas comment on appelle ça en français, mais là, Color Lookup. Oui, les tables de correspondance des couleurs. Merci, waouh. Ça transforme deux mots en cinq mots. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est comme en général les boîtes de fusion, en fait, je vais juste explorer, en fait, je vais passer par les différents types de couleurs, en fait, et voir s'il y a quelque chose d'intéressant. C'est pas mal. Ouais, carrément, au départ, c'est ce qui était utilisé comme profil pour les pellicules, pour les gens qui travaillaient sur la photo, sur le cinéma, etc. Et on s'est rendu compte que ça marchait très très bien, même sur des images, pour donner un style, pour terminer une image et tout, ça, c'est assez magique en fait. Ouais. Et c'est une correspondance à la fois de la valeur, teinte d'une couleur, sa saturation, sa luminance. Et du coup, c'est ce qu'ils appellent des tables 3D, en fait, où on va tourner autour de la couleur pour traduire tout ça. Et c'est vrai que c'est... Ça devient un peu sombre. Je vais sûrement rajouter un petit peu plus de... Un petit peu de bleu. J'ai une question d'Ozo qui nous demande, est-ce que tu penses que déménager aux US a beaucoup impacté ta carrière? Oui. Et je pense que... En fait, il y a beaucoup de défauts avec les États-Unis, mais je pense qu'une très grande qualité, c'est juste l'opportunité pour le travail, en fait. Il faut juste voir ça de manière, en fait, une espèce de sac, en fait, où il y a dans le sac, il y a tous les boulots disponibles, en fait. Et si t'es juste en France, en fait, tu ne te permets que dans cette piscine de boulot. Désolé, j'essaie de traduire un petit peu mentalement d'anglais en même temps, mais c'est une espèce de quantité en fait de jobs qui sont limités en fait. Ouais, et du coup, si tu n'auras pas accès à toute l'offre, il y aura. C'est ça. Alors que même au-delà des États-Unis, juste d'être ouvert en fait au fait de pouvoir déménager et de
donc d'avoir un boulot qui est à l'étranger, Mmh. pour moi, c'est jour et la nuit, quoi. J'ai habité dans ma vie dans 6 pays, 7 pays, Ouais. je sais que ça a énormément impacté ma créativité et les opportunités que j'ai eues, quoi. Je n'aurais pas la carrière que j'ai aujourd'hui si j'étais resté en France. Ça, c'est sûr. Ou en tout cas, si je n'avais bossé qu'avec des clients français, en fait. Je pense qu'il y Ouais, a. il y a peut-être aussi ça. Je pense que ça c'est un truc qui est parfois cruel sur justement l'usage d'une autre langue, de l'anglais notamment, pour l'anglais professionnel, qui est hyper important dans ce milieu du cinéma où tout le monde a. Enfin, la plupart des clients, justement, vont vouloir. Enfin, les gros studios, c'est les US, le Canada, etc. Il faut parler anglais. Ça. Oui, comme tu viens de le dire, le fait de justement pouvoir parler d'autres langues. Bon, la majorité des offres de boulot que j'ai sont en anglais. J'ai pas vraiment de, je reçois pas souvent de job en français. Et le niveau de subtilité dans la langue qu'on te demande en termes de travail, ça demande quand même une grosse implication parce Pas que. forcément, faut juste avoir l'envie, en fait, à partir du moment, en fait, que vous montrez qu'il y a comment dire, qu'il y a un désir de montrer qu'en fait, vous êtes ouvert et que ok, bah ouais, vous parlez pas forcément super bien anglais, mais vous avez cette volonté d'essayer et d'apprendre. En général, hein, les personnes qui vous balancent un message, s'ils aiment beaucoup votre travail, ils vont aussi faire un effort, hein. Moi, il y a parfois des fois, il y a des gens qui utilisent des mots que je comprends pas forcément ou parfois, je parle avec des clients qui, eux, ne sont pas anglais, parlent aussi dans un anglais qui est différent, donc avec des mots pas forcément toujours précis. Et c'est là où, moi, en fait, je leur demande, hey, du coup, en fait, tu as dit ça, mais est-ce que ce que tu demandais, c'était ci ou c'était ça? Et voilà, c'est pas un. On dirait, à partir du moment où il y a cette volonté, c'est tout ce qui est. C'est le seul truc important. Yama qui nous dit, oui, de nos jours, en plus, avec le Covid, le remote est devenu beaucoup plus accessible. C'est vrai. Donc, je pense qu'il va être temps d'importer quelques photos là-dessus. En général, quand j'utilise des photos, c'est vraiment juste pour me donner une idée en fait d'une cible en fait pour moi à atteindre au niveau atmosphère et texture. Je les utilise pas forcément de manière explicite. C'est-à-dire que bon, là, forcément, je fais une forêt, j'aime bien en général balancer une image de forêt dessus. Mais ce que je vais faire, c'est qu'en général, je part dans différents types de calques de fusion en fait pour justement voir si je peux avoir des idées en fait ou juste voir des espèces de textures qui vont m'aider en fait. Et en général, je les rééchantillonne, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Et le fait de rééchantillonner me permet en fait de travailler le reste de l'image avec plus de texture en général. Pendant ce temps-là, tout le monde boit tes paroles et tes images. Moi, je bois du café. Ça m'aide à garder les yeux ouverts. Ça t'aide à te rappeler que c'est tôt le matin aujourd'hui. Pas me le rappeler, sinon je vais m'endormir. L'idée de l'heure de cet événement. N'importe quoi. Qui a eu l'idée d'accepter ça? Inacceptable. Ça, c'est un autre problème. Merci pour la réponse. Diso. Et Yama qui est parti nous chercher les pizzas et les bières. Je prendrais une pizza VG avec pas de bière par contre, un coca pour moi s'il te plaît. Je sais pas combien tu vas devoir payer en livraison par contre. Mais il les amène directement. Sauf si Ouais. t'as pas commandé la bonne semaine. Merci. Elle risque d'être froide le temps qu'elle On mange toujours les traverse la pizzas un mer. petit peu froides à la fin. Mais c'est la chaleur humaine qui réchauffe tout ça. Ah. Et les champignons, c'est des dés. C'est vrai que c'était bon les champignons.
En général, donc, quand j'utilise des photos comme ça, j'essaie vraiment de chercher. Donc, je repars à partir de ce moment-là, je repars sur l'exploration. C'est-à-dire que je commence à rajouter des photos pour justement des idées d'éclairage, des idées de texture, de forme et tout ça. Et donc là, par exemple, le truc que j'aime bien sur la photo que je viens de balancer, c'est qu'il y a une espèce de petite lumière qui vient de se balancer sur l'image par là. Et c'est cool. Et alors là, il y a Greg qui nous suit depuis le début de la semaine et qui donc a vu passer 15 sessions sur lesquelles, sur chaque session, j'ai dit, au fait, n'oubliez pas que depuis 3 semaines, vous avez accès à une collection de photos Adobe Stock gratuite qui a été mise à disposition de tous les utilisateurs. Et pour le coup, même toi, avec ton vieux Photoshop, tu peux quand même y accéder. Tu vas sur stock.adobe.com et vous allez chercher Yes. la galerie gratuite. Il y avait des photos déjà, il y avait des illustrations, il y avait de la vidéo aussi. Et bien, tout ça, il en existe des gratuites, donc n'hésitez pas à les regarder. Merci Greg pour le rappel. Michael nous dit c'est très empirique comme process, c'est top, des essais peut venir la solution ou une image sympa. Ça. Merci. En effet, c'est ce que j'aime beaucoup avec cette méthode, c'est justement de pouvoir explorer et laisser un petit peu les choses à la chance, quoi. Pas forcément se mettre trop de pression et parce que parfois, tu sais, tu peux avoir une image en tête et au final, quand tu essaies de la dessiner ou de la peindre, c'est pas exactement ce que tu avais en tête. Et ça peut être assez déprimant, sauf qu'en fait, de faire cette méthode, bah, tu sais que tu peux juste continuer à dessiner et à peindre jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui apparaisse, quoi. Michael qui est pas arrivé tout au début, qui nous dit, je vois beaucoup de brosses, est-ce que tu travailles toujours avec les mêmes ou est-ce que tu as tes brosses? Donc c'est ce que tu disais, hein, t'en as construit au fur et à mesure, t'en as rattrapé. C'est ça. J'utilise un petit peu, je suis constamment en train de changer de brosse et en fait l'idée, c'est surtout pour la raison pour laquelle je change de brosse, c'est pour avoir justement des textures intéressantes sur l'image en fait. Parce qu'en général, si je reste trop sur le, enfin parfois je fais des images qui sont juste avec une seule brosse, mais en général ça donne des résultats assez plats. Je vais toujours balancer de la texture par-dessus en fait. Encore une fois, en fait, quand j'utilise des photos comme ça, c'est vraiment juste pour essayer de trouver des parties intéressantes sur la photo. En fait, c'est pas vraiment pour la photo en soi, en ensemble. Là, par exemple, j'aime bien ce que ça fait sur l'espèce de sur la partie droite de l'image là. Et ça, c'est vraiment des méthodes et des techniques qui me permettent juste de travailler plus rapidement. Hein. Aussi, en général, quand j'ai le temps, j'utilise pas forcément autant de photos. Et je prends vraiment le temps de peindre beaucoup plus. Mais à cause du boulot, en fait, parfois, là, le boulot sur quoi je travaille en ce moment, j'ai besoin de faire au moins une image par jour. Et donc, c'est pas forcément évident, quoi. Il y a pas forcément le, y a pas le temps de se poser le doute sur les techniques, en fait. C'est vraiment tout ce qui marche m'aide, en fait, à travailler plus rapidement. Ouais, du coup, il faut, enfin, voilà, faut tester. Quoi qu'il advienne, il y a eu de l'expérimentation. Et après, c'est à toi de donner le rythme, c'est à toi de choisir la vitesse à laquelle tu veux aller. Oui, et Quand puis c'est tu aussi. dis que tu dois sortir une image par jour, est-ce que avant l'image par jour, tu dois sortir des sketchs, des esquisses pour présenter le boulot ou pas à ce point-là, justement? Pas forcément pour ce que je fais en ce moment. En fait, ils me font assez confiance pour savoir que l'image que je leur balance de base, en fait, est un petit peu juste l'image que j'ai déjà plus ou moins explorée. En fait, on n'a pas en fait vraiment le temps. Parce que là, j'ai besoin de faire en 2 semaines, j'ai besoin de faire genre 15 images. 15-20 images. Et c'est des images avec un niveau assez fini, en fait. C'est pas forcément des trucs juste super sketch, noir et blanc. Donc, il y a beaucoup de méthodes comme ça que j'ai besoin d'utiliser. Et vous voyez, en fait, il y avait une question sur les brosses tout à l'heure, mais il y a un truc que j'essaie vraiment d'utiliser souvent avec les brosses, c'est que j'essaie vraiment d'éviter d'utiliser les brosses de manière explicite. C'est-à-dire que rarement je vais utiliser une brosse d'arbre pour faire un arbre, en fait. Et par exemple, là, cette brosse que je peux utiliser pour peindre, j'aime bien aussi l'utiliser pour faire de la De la végétation, parce que végétation, c'est ça, ça me fait un petit peu des effets d'herbe, ça. Et c'est assez cool, surtout après quand je balance un filtre
pour durcir l'image en fait. Appeler ça sharpen. Là, vous voyez que là, bah, ça renforce en fait justement les coups de peinture. On a vraiment une impression de végétation. Ouais, carrément, là on se retrouve vraiment sur des peintures impressionnistes ou autres. Il y a de la matière, hein, et tu rajoutes de la matière sur ta toile, quoi. Mais le coton s'inquiète et nous demande, mais comment est-ce que tu fais pour garder la force de ton image malgré toutes les couleurs et les détails? J'ai tendance à perdre la force de la structure de l'image à ce stade. Alors pour ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir un backup, pas un backup, mais une sauvegarde en fait de l'image à l'étape où elle marchait avant, et de ne pas hésiter de faire une comparaison avec ça, en fait. C'est-à-dire que j'avais ça au début, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramener cette image au-dessus. Et tu vois, en fait, si tu compares, en fait, mes valeurs sont quasiment les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai juste rajouté un petit peu de détails, mais j'ai toujours cette composition centrale, en fait, pas forcément centrale, mais j'ai cette composition avec le patinage. Et voilà, en fait, j'essaie juste d'avoir un point où, en fait, l'image marchait et d'être sûr que je puisse comparer avec ça. Il y a un raccourci que j'utilise beaucoup, c'est CTRL-Y, et en fait, si je vais dans vue, et là, pareil, il va falloir que tu m'aides pour la traduction, mais en fait, ce que je fais, c'est que je fais un setup pour ça, pour qu'en fait, que mon image apparaisse en noir et blanc, Ouais, les pour voir mes couleurs, valeurs, en fait. ce sera les couleurs d'épreuve en fait, où tu vas choisir le type d'épreuve que tu vas définir. Et du coup, je suppose que tu as choisi Dot gain ouais, un 20%, dot gain. dot gain 20%. Donc, Et en prenant donc le format d'épreuve, on choisit un des profils en noir et blanc. le truc qui est magique avec ça, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans ce mode de noir et blanc, en fait, vous pouvez peindre les valeurs, mais ça prend quand même, ça continue de peindre en couleur, en fait. Donc, même si, en fait, là, bah, tu travailles juste en valeur, bah, en fait, ça continue, en fait, à utiliser les couleurs qui sont en dessous. Carrément. Super pratique. Et il n'y a pas de, au niveau de temps, on n'est pas sur une durée limitée ici. Ouais, je pense que sur les coups de 19h30, je vais commencer à avoir faim, moi. Ah, pour la pizza, C'est c'est ça? des combien de Ah temps? oui, parce que C'est combien de les pizzas, elles sont livrées sur chaque personne qui est en train de nous suivre en direct le Art and Talk. Si vous nous regardez sur le replay, c'est trop tard. Mais chacun recevra sa pizza. Vous allez avoir quelqu'un qui va sonner chez vous et vous devriez l'avoir très très vite. Tout le monde va avoir sa pizza. Ouais, on voit un peu du rêve. Non, en vrai, on va tirer au sort la pizza, il n'y en aura qu'un seul qui la gagnera. D'ailleurs, c'est Cassis. Faudra partager, hein. Ah Cassis, il faut partager. non, mais il s'est mis justement très loin pour que personne pique sa part de pizza. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui font à manger, qui font des fondants au chocolat, des muffins et de la bière. Oh, c'est bon le fondant au chocolat. Ils en font pas à Los Angeles? Ah si, mais là il n'y en a pas dans le frigo tout de suite, donc c'est suffisant pour me foutre la rage. J'en veux bien, moi, de ma fine bonne. Pareil, là, j'essaie de travailler assez lentement, et en fait la raison pour ça, c'est justement parce que je prends le temps de vérifier tout ce que je fais, en fait. Mais en général, quand je fais ce genre de croquis de mon côté, en fait, je travaille un peu plus vite, mais c'est juste parce que je sais que j'ai le temps après de faire plusieurs images. Là, en fait, vu que j'essaie de faire vraiment une image qui va plus ou moins marcher pour montrer toutes ces techniques, j'essaie de quand même prendre le temps d'être sûr de faire un truc qui marche, quoi. Mais en général, je pars pas forcément aussi vite sur une image. Je prends vraiment le temps de faire plusieurs explorations, tester plusieurs images et de voir comment ça marche, quoi. D'avoir des variantes. Est-ce que le fait justement d'avoir ces plusieurs images, parfois tu t'en sers aussi par rapport à la narration pour te dire, bah tiens, je vais explorer une partie de l'univers dans cette image, une deuxième partie dans une autre image à côté, ou pas forcément? Ouais, parfois. C'est en fait, ça dépend vraiment des briefs et de ça, du genre de truc sur quoi j'ai besoin de bosser.
Et récemment, en fait, je fais pas énormément d'images qui sont connectées les unes avec les autres. Et quand j'ai besoin de faire un travail, en fait, c'est vraiment sur un brief particulier. Donc, je n'ai pas forcément besoin de faire ce genre de décoration, en fait. En train de faire des constructions à côté, j'espère que ça ne sera pas trop Écoute, pour l'instant, on dans n'est l'inscription. pas. Non, on n'est pas dérangé. Puis, de toute façon, tout le monde a le ventre qui gargouille, tout le monde est en train de réfléchir. Là, il y a des partages de recettes de cuisine, de spécialités locales. Il y a de la raclette en cours, de la fondue, La du. fondue. Oh. Eh ouais. Je sais même pas si c'est légal à Los Angeles, la fondue. Si, il me semble que c'est légal, mais c'est légal avec du fromage qui est un peu naze. C'est ça, au Jack Cheese. Ils ont pas forcément ils ont pas des super fromages ici. Super fromage. Michael nous dit, tiens, pareil, j'ai peut-être loupé un truc au début, mais est-ce que Geoffrey regarde bien son écran? Il travaille pas sur Cintiq. Tiens, ma Cintiq, elle est là si tu la veux. Mais ça fait ça va faire un an que j'ai pas utilisé ma Cintiq, juste parce que en fait, je me suis rendu compte que la Cintiq pour moi était cool pour en fait un petit peu développer ce côté plus sketch, plus peint en fait à la main, sauf que je me suis rendu compte que ça me ralentissait tellement. Et c'est juste personnel, hein. Et du coup, bah, j'en suis revenu là À à l'Intuos. la petite tablette. C'est une M que j'utilise. Carrément. Juste 4 L, il me semble. T'aurais pu créer un 4 mythe en L. disant que t'étais à la souris. J'utilise aussi la souris de temps en temps. Ça dépend en fait pourquoi j'en ai besoin, mais en général, quand j'ai besoin de trucs très taillés à la serpe, en fait, j'utilise la souris en général. Je vais essayer de utiliser une texture un peu tronc. Ça me permettra de faire les arbres dans le fond plus rapidement. Parce que, encore une fois, là tout de suite, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir un résultat assez rapide. La quantité de photos que j'utilise, ça dépend vraiment des images, quoi. Parfois, j'utilise beaucoup de photos, parfois, je n'utilise pas du tout. C'est en fonction de l'image et en fait la rapidité que j'ai besoin de faire. En fait, ça varie. Ça Et alors ouais, varie. le coup de la fusion des calques, là ça marche tellement bien. C'est cool. C'est cool. Mais le problème, c'est que parfois, ça rajoute un petit peu trop de texture. Là, je trouve que ça en rajoute un peu trop. Et ça commence à devenir assez bruyant. Donc, j'ai peut-être essayé de trouver autre chose. Mais c'est là où, en fait, il faut un bon équilibre parce que parfois, ça peut devenir juste on passe trop de temps à rechercher des images, des photos et tout ça. Donc, je vais essayer encore un petit peu, mais sinon, je vais juste continuer de peindre. On va voir. Parce que de toute façon, tu dis, on a encore à peu près un quart d'heure là-dessus. Ah, d'accord. D'accord. Il y a du défi. Alors après, si tu veux, nous on raccroche et tu reviens demain matin avec une image sur laquelle tu auras passé une nuit complète. Mais il n'y a pas d'obligation de résultat parce que je pense que tu as déjà donné énormément de moyens dessus. Il y a Tchèque12 qui nous dit salut, un petit rappel pour les nouveaux arrivants, quel est le projet en cours de réalisation? Et si je me trompe pas, c'était résoudre ton syndrome de la page blanche. C'est ça, oui. L'idée, c'est vraiment de partir sur quelque chose de. Je vais faire ça très rapidement. C'est de partir sur quelque chose comme ça, sans forcément d'idée derrière, en fait. Et petit à petit, en fait, de construire une image, en fait. C'est vraiment. L'idée, c'est quand vous. Bah, c'est résoudre la page blanche, tu l'as très bien dit. Bah, vu qu'on n'a plus qu'un quart d'heure, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur l'autre image très rapidement pour vous montrer, en fait. Une image sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment qui est dans qui utilise la même technique en fait. Pof. Donc en fait cette image a été faite donc pour les gens qui nous rejoignent juste maintenant, ça va vous permettre aussi de voir à peu près comment cette technique marche. Mais l'idée en fait c'est vraiment de partir sur c'est vraiment de partir en fait sur quelque chose de vraiment chaotique comme ça, sans forcément avoir de quoi que ce soit en tête, et petit à petit en fait de rajouter des formes
qui supporte en fait ce que vous voyez. C'est-à-dire en fait là, pareil, en ce moment, comme très souvent, j'adore peindre des arbres. Et du coup, en fait, j'en suis arrivé à ces formes-là. Et en voyant ces formes-là, je me suis dit, ah, c'est marrant, on dirait des espèces de gros, les gros baobabs, les gros arbres avec le rond en bas. Et du coup, en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est pareil, balancer de la photo, mais c'est pas. Encore une fois, la photo, c'est juste pour donner des idées de texture et palette. Et comme vous voyez, là, j'ai commencé à utiliser la photo beaucoup plus tôt que l'image sur laquelle on bossait tout à l'heure. Et j'avais même pas de couleur de base. En fait, je suis vraiment parti, ce que je voulais partir sur un truc assez désaturé. Et donc, petit à petit, en fait, j'ai commencé à donc, mélanger de couleurs et changer un petit peu la composition, peindre par-dessus. Ouais, il y a régulièrement chez toi du coup ce mélange peinture, photo, couleur, les noirs, les blancs, etc. C'est ça, ouais. Ça dépend vraiment en fait du type de projet sur quoi je travaille et du type d'image que je fais. Parfois, je commence sur de la 3D, je n'utilise pas du tout de photo. Parfois, je sais pas si j'ai un exemple. Toc, toc, toc. Quand je fais par exemple ce genre d'image, là, il n'y a pas du tout de texture vraiment, de photo, quoi que ce soit, c'est vraiment entièrement. La majorité de ça a été fait avec une ou deux brosses. Quand je fais ce genre d'image, là, en fait, je vais commencer sur de la 3D. Et pareil, là, il n'y a pas du tout de photo, c'est vraiment entièrement fait à la main. Et le truc particulier avec ce genre d'image, c'est que j'utilise en fait des brosses qui sont des brosses qui ont de la couleur. Là, j'utilise cette broche que j'adore, et en fait, ça me permet, je sais pas si vous voyez, mais il y a une variation de couleurs dedans, en fait. D'accord, ouais, du Et coup, quand tu as une couleur d'arrière-plan et premier plan qui sont variées, c'est tu ça. reconstruis dessus. Ça permet d'ajouter. De la richesse assez rapidement sur l'image en fait. Oui, donc du coup, en fait, ce qui est cool, c'est que vous voyez à cette étape-là, après à peu près 45 minutes, une heure à peindre, en fait, j'ai une image en tête. Je sais ce que j'ai envie de faire. À cette étape-là, je sais que j'ai envie de faire une espèce de chevalier qui revient de croisade ou je sais pas quoi, qui est là avec soit avec une épée qu'il va présenter ou qui est en train de se présenter à côté d'un hôtel à une prêtresse ou à une elfe ou une fée magique ou je sais pas quoi. Et du coup, en fait, c'est vraiment à partir de cette étape-là, vu que j'ai déjà l'idée en tête, ce sera vraiment plus un travail pour finir, en fait, justement, comment dire, pour finir cette image plutôt que d'avoir besoin de réfléchir à tout. En fait, je sais que j'ai déjà plus ou moins le monde, et après, c'est juste matière, en fait, à raffiner, en fait, ces détails. Je sais pas si c'était très français, mais. Si, non, mais je pense que ça. On arrive à. Tout le monde a trouvé le sens. Et je pense qu'ils vont être super contents de savoir enfin ce que fait Ginette dans sa scène avec Jean-Jacques. Oh. C'est marrant, la richesse de couleurs dedans. En général, je commence assez riche pour les couleurs. C'est toujours plus simple pour moi de commencer assez riche et petit à petit d'abaisser en fait plutôt que l'inverse. Parce qu'en fait, personnellement, je trouve que quand en fait je commence avec pas beaucoup de couleurs et qu'après j'essaie d'en rajouter, en général, ça c'est difficile parce que les couleurs se mélangent pas très très bien. Alors qu'à l'inverse, quand je commence avec beaucoup de couleurs comme ça, c'est plus facile. Est-ce que Ginette porte une boîte à pizza? Non, pas trop. Boîte à pizza Domino's. Toc. Écoute, on a déjà eu une session complète avec un sandwich qui chevauchait un tigre. C'est pas le chevalier de la table ronde, c'est le chevalier de la pizza triangle. C'est exactement ça. Ah, une part de Triforce. J'ai trouvé la part de pizza magique. Une pizza transportée par une colombe. Et du C'est coup, le gars, là. il est à genoux, car c'est la première fois depuis le début du confinement qu'il voit une pizza. C'est ça. Et il y a les petites fées bleues qui viennent lui apporter sa pizza magique.
qui vont lui donner plus 20 expériences Trop pour les bien. 10 prochaines minutes. Il est bien ton jeu. Et sans deck, sinon, c'est vrai que ce genre de... En général, c'est souvent comme ça que je me retrouve à avoir des idées d'univers intéressants. C'est en partant comme ça d'une connerie et juste de partir à fond sur le délire, tu vois. Comment tu choisis Cheesy Crust et ce que tu mets dessus? Ah, ouais, bah, absolument, le cheesy crust. Que bon, je suis végétarien, mais du coup, c'est vrai que le fromage, bah, je reste français, malheureusement. Et je ne peux pas me passer du fromage. Et c'est vrai que le cheesy crust, c'est le truc qui fait que j'ai du mal à commander une pizza ailleurs que sur Pizza Hut. Il n'y en a C'est pas dur, c'est beaucoup qui dur. font il y en a pas beaucoup qui font du cheesy crust. En tout cas, Cracus avait bien visé parce qu'il avait dit c'était c'est une pizza VG, je reconnais la boîte. Mais il a dit bien avant que tu expliques tout ça. Mais c'est vrai qu'en général, à cette étape-là, je me concentre pas forcément trop sur les personnages. Je préfère jamais normalement travailler sur les environnements, donc c'est pas forcément même ce genre d'image-là. Je balance les personnages, j'espère d'avoir un petit peu d'histoire, mais sans mentir, j'ai juste envie de continuer de bosser sur l'environnement. Ce qui est en général ce que je fais, en général, je bosse souvent sur l'environnement, et après, je bosse sur le personnage plusieurs à la fin. En général, cette étape prend un peu plus de temps pour moi, juste parce qu'en fait, il y a tellement de couleurs et de formes en fait à vraiment verrouiller qu'en général, à ce point-là dans l'image, je passe vraiment du temps à être sûr que tout est bien au bon endroit, parce qu'en fait, après, si je vais rajouter 10 heures, 5 heures, 20 heures, peu importe le temps que je vais passer là-dessus, en fait, ce qui est important, c'est que tout soit bien en place et que je ne perde pas de temps, en fait. Je vais passer 10 heures sur un truc et après se rendre compte que bah, en fait l'image marche pas, je sais pas quoi, c'est pas top. Carrément. Il y a un cake au Mirabel qui vient de sortir du four. Je sais pas si c'est du langage codé ou si Laurent c'est vraiment un cake au Mirabel. Mirabelle à l'églantine. Y a ça. La grande vadrouille, ça, non? C'est. Ouh, ça date. Hein. Je crois qu'ils ont interdit de repasser les films des années 60 en France maintenant. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Mais il y a beaucoup plus de Ah. chaînes, donc on n'est pas tous contraints de regarder exactement le même film à chaque moment. Ah oui, ça c'est cool. Mais bon, la Sauf grande vadrouille, ça se regarde tout le temps, ça. depuis que Netflix réinvente le direct. Donc il réinvente la télé depuis ce matin, je crois. Depuis ce matin? Ouais, j'ai vu passer un truc, genre Netflix a proposé de faire du direct, donc tout le monde regarde exactement le même programme à la même heure. Intéressant. On s'est rendu compte, on a la même chose, le truc, on a une télé intelligente et c'est marrant parce qu'en fait de base c'est surtout pour Netflix, pour Hulu et tout ce genre de plateforme en fait. Sauf que bah, on vient de se rendre compte que bah, on a aussi accès à la télé en direct via toutes ces applications qui ne sont pas faites pour du direct. Donc c'est assez intéressant de voir que justement ils ramènent tout ça en fait. Le fil rouge sur le bouton rouge, nous dit Yann. Yes. Ils sont passés hier et la semaine dernière. Ah mince. Un jour, je reprendrai une télé, promis. Mais pour l'instant, on a trop de direct pour. Trop de live stream ici pour pouvoir regarder la télé. Je suis pas personnellement, je suis pas fan de tout ce qui est télé. On a la télé qu'on a qu'on regarde nous en général, c'est juste pour foutre Netflix, ce genre de truc, pour regarder des séries, mais pas direct, surtout ici aux États-Unis. Et ton Surtout direct? cette semaine. Ouais, mais bon, ça va là. Sans partir en détail là-dessus, apparemment, on part sur du positif. Sur du positif. Mais tu sais, c'est intéressant. Je fais un aparté là-dessus, mais
Je parlais justement de ça, je parlais pas mal de politique et tout ça avec des amis français récemment. Et c'est étonnant comme quoi je pensais que les médias américains étaient très filtrés en fait en fonction des chaînes que tu regardes, genre Fox News, tout ce genre de conneries. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup des news que vous recevez en France par rapport aux États-Unis sont aussi très filtrées. Et c'est intéressant parce que les personnes qui disent, oh, j'ai vu que telle personne a dit tel truc et c'est intéressant parce que je pensais pas qu'il dirait ça. Et c'est étonnant pour moi de voir les deux côtés de la pièce, en fait. De l'époque où j'étais en France, de voir tous les trucs que j'entendais sur les États-Unis, et maintenant, à l'inverse, d'être aux États-Unis et d'entendre ce que les gens entendent des États-Unis. Carrément. Carrément, bah y a la fameuse bulle de filtre. Genre, tu fréquentes de toute façon et t'as les infos que des gens que tu fréquentes et des Ah ouais. thèmes que tu suis. Bah, elle avance bien cette image. Ça va. C'est un petit peu lent en général, cette étape en image. C'est plus lent parce que ça part plus sur du rendu. En fait, vraiment, la méthode, les techniques qui sont importantes pour cette image, c'est plus le début de l'image. C'est vraiment c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est pour vous permettre justement de débloquer un petit peu le côté page blanche. Et en général, je réutilise la méthode que je montrais plus tôt. C'est-à-dire que même à cette étape dans l'image, j'essaie de replier l'image sur elle-même pour redécouvrir des textures, redécouvrir des idées. Ça marche pas forcément toujours, mais c'est intéressant parfois à faire. Encore une fois, c'est un petit peu la dualité de cet exercice. C'est que c'est chaotique, ce qui veut dire que parfois, en fait, ça peut permettre de faire des images très cool, et à l'inverse, parfois, ça met un peu de temps pour découvrir des images. Et non, cette méthode m'a très souvent aidé pour justement être sûr que je puisse continuer à travailler et je ne perds pas de temps, quoi. Ouais, carrément. Pourrais rester assis devant une page blanche sans savoir quoi faire, c'est pas top. C'est pas top. Mais en général, ce que je fais quand j'ai besoin de bosser comme ça sur une image un peu particulière, je fais pas mal de versions noires et blanches comme ça d'images de manière très rapide. En général, je balance des images, je balance une image comme ça en noir et blanc toutes les 10 minutes, et j'en fais plusieurs comme ça, j'en fais 5 ou 6. Et après, je pars plus sur cette méthode où, ok, cool, j'ai une composition, c'est cool en noir et blanc. Donc maintenant, je commence à balancer les couleurs, je commence à balancer les images, tout ça. Romain qui nous dit en tout cas c'est très très cool, merci Geoffrey. Ça aide. Et donc, du coup, en fait, à cette étape-là, je vois qu'il n'y a plus énormément de temps. Là, ce que je commencerai à faire pour cette image, c'est vraiment du design. C'est-à-dire que je commence à vraiment me dire, OK, quel est ce personnage? Je vais continuer vraiment à pousser cette histoire, en fait, et cet échange entre les deux. Je ferai un design pour l'espèce de personnage chevalier, vraiment, avec le design d'armure, le design de vraiment trouver une pose plus intéressante. À ce niveau, en fait, c'est plus un espèce de cadrage. On va dire que à ce zoom-là, on a plus ou moins une idée de ce qui se passe dans la scène, en fait. Après, la suite, c'est vraiment plus une question de détails, en fait. Ouais, carrément. C'est vrai que là, on commence à comprendre, à raconter une histoire. Il y a Et Mélocoton qui nous relance sur un sujet qu'on avait abordé tout à l'heure, qui dit c'est vrai que ce serait bien un timelapse en Photoshop. Geoffrey a fait 1000 dessins en un depuis le début de la session. oui, bah c'est pour ça qu'en général, ce que je fais, c'est que je l'ai pas vraiment fait là, mais en général, ce que je fais, c'est que je fais Ctrl-Alt-Shift-E pour justement avoir un aplat, Un en nouveau fait. calque depuis un aplat de toute l'image. C'est ça. Et je fais ça assez souvent pour avoir un espèce de backup pour voir comment l'image évolue, en fait. Voilà, tu vois, pour faire ce genre de truc, j'utilise la souris. Là. Justement, j'ai pas envie d'avoir l'opacité de la pinceau. Et vu que je suis un peu feignant, j'ai pas envie d'aller dans les options et d'enlever l'opacité.
Yann nous dit, c'est vraiment intéressant ce travail avec le zoom pour générer l'histoire du cadrage. Oui, c'est vraiment. En fait, ça me permet aussi de ne pas passer trop de temps sur des choses qui sont pas nécessaires à l'image. C'est-à-dire que vraiment, je regarde à ce niveau l'image et je regarde, OK, quelles sont les choses qui sont que j'arrive pas à lire, quelles sont les choses qui ont besoin de plus de temps, en fait. Et là, à ce niveau dans l'image, je trouve que tout ce qui est à peu près en dessous de cette ligne sont plus ou moins établis, mais je me rends compte que vraiment tout ce qui est là, en fait, c'est vraiment trop fouillis, en fait. Donc c'est là où mon temps maintenant, c'est là où je vais passer tout mon temps, en fait. Je vais commencer vraiment à travailler plus ces formes, à essayer de trouver des trucs plus intéressants avec les arbres. J'essaie de booster un petit peu le contraste parce que là, j'ai l'impression que j'ai perdu un peu les couleurs. Alors, y a Mag qui nous fait un gros teaser et qui nous dit, avant la fin, pensez à aller faire un tour sur notre page officielle. Le prochain artiste est annoncé. Alors, rassure-toi, hein, le prochain artiste, il arrive pas dans 5 minutes, il arrive dans pile un mois. Mais il est effectivement annoncé sur la page france.yamag.co. Ça va, il y a le temps. Il a un petit peu de marge. Peut-être on sera déconfiné. Bon courage, je pense que nous on est encore pour un moment. Non, je pense que c'est mort, hein. C'était plus une boutade. Nous, ça va faire depuis presque mars qu'on ne peut pas vraiment sortir. Enfin, on peut plus ou moins, mais le problème c'est qu'ici il y a tellement de gens qui pas vraiment attention, que ça donne pas vraiment envie d'aller dehors. On est allé, on essayait d'aller à la plage il n'y a pas longtemps, hein, et tu avais 500 personnes sur la plage, personne que des gars, personne n'avait de masque ou quoi que ce soit. Et c'est pas rassurant, quoi. C'est pas rassurant. Après, je sais pas vraiment trop comment ça se passe. Bon, j'ai pas Ici, su c'est. Alors, trop. je t'avoue que moi, cette semaine, je suis pas sorti, donc j'ai pas vu les gens. Y a un truc, c'est qu'on fait des gros événements de une semaine à chaque fois qui démarrent au début du confinement. Au mois de mars, on a fait 3 jours de photos avec 6 heures de programme chaque jour. Donc j'ai pas vu le début non plus. Ah, c'est cool si ça te distrait. Je pense que ça occupe bien et qu'on a un public qui suit aussi, parce que je pense que il y a un besoin, il y a une vraie demande là-dessus. Donc. Et Michael nous dit, un autre Michael nous dit bonjour de la Réunion et courage pour le confinement. Cool. Ouais, c'est cool la Réunion. En termes de climat, c'est différent de Los Angeles le matin. Ouais, il fait un peu plus chaud, je pense. C'est ça. Il me semble que je suis allé à la Réunion il y a plusieurs années. Là, bougé. N'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit d'autre comme question, que ce soit technique ou que ce soit par rapport à l'image Ouais, je pense que ou tout le autre. monde est en mode Le monde a contemplation faim. là. Ouais. Non, 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 surtout la contemplation. Laurence nous dit les sessions quand on est confiné aident à rester structuré, entre autres multiples choses. Et Yann, si une question technique, le retournement horizontal de l'image, c'est une facilité Ah. d'utilisation du pinceau? Très bonne question. Non, en fait, c'est pour, en fait, parce que ton œil s'habitue à vous. En fait, quand tu as une image et que tu la vois sous le même point de vue trop longtemps, en fait, ton œil n'arrive plus à discerner certaines erreurs, en fait. Alors que le fait de faire ça, j'ai ça sur un raccourci, pour moi, c'est contrôle shift et 1, ou et, il me semble en français. Et en fait, ça me permet de constamment, en fait, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de perspective, d'erreur de couleur ou quoi que ce soit. Parce que justement, en fait, tu vois ça sous un œil près, quoi. Et d'ailleurs, j'allais dire, il y a un truc qui est super cool qu'on a comme opportunité, nous, en ayant un clavier français. J'utilise un clavier américain, mais comme vous voyez là en bas à droite, en fait, je peux changer entre l'américain et le français avec Shift Alt. Oui, Ce alors que je fais, en on voit fait. rien du tout parce qu'on est devant, mais c'est D'accord, ouais, parce que c'est trop Ah grand. oui, si, si, on Mais voit mieux. en fait, quand on est en clavier français, en fait, ce qui est cool, c'est que vous pouvez utiliser
les chiffres, en fait, sur le, enfin, les chiffres du clavier sur la barre en haut. Ça, tu peux pas le faire vraiment en anglais parce qu'en fait, ils utilisent vraiment les chiffres de base, alors que nous, on a les accents et tout ça de base. Ce qui veut dire que, en fait, pour moi, tous mes raccourcis sont à gauche, en fait. J'ai jamais vraiment besoin de bouger ma main ailleurs parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que j'ai mes couleurs qui sont là-dessus, j'ai mes tailles de pinceau qui sont sur 1 et 2, et j'ai mon raccourci pour changer de manière horizontale sur CTRL SHIFT 1. Et c'est super pratique. Carrément. Carrément, carrément. Bah écoute, je pense que ça, la session va toucher à sa fin, parce qu'il y a un moment où on va se faire éjecter de Behance. Ah, Et ce ok. serait fort dommage. Tiens, moi j'ai une question sur ce fameux raccourci de symétrie horizontale. Est-ce que tu utilises l'ancienne version avec le script qui consistait à retourner toute ton image horizontalement, ou est-ce que tu as découvert dans le menu View, affichage, le fait qu'on pouvait faire le flip horizontal? Oh non, ça fait des années que je suis ça. J'ai mon propre, C'est ça, hein. raccourci. Il y a deux versions, il y a deux méthodes de le faire. Hein. Soit vous pouvez juste faire en horizontal sur le calque que vous êtes, soit pour toute l'image. Moi, j'ai tué ça pour toute l'image. Mais parce C'est que, voilà, tiens, c'est Canva. bouge pas, stop. Flip Canva horizontal. Eh bien, regarde dans ton menu, vas-y, sors de ce panneau, et regarde dans ton menu View. Hop. Et t'as en dessous de Actual Size et au-dessus de Screen Mode, tu as Flip horizontal. Et alors celui-là, il est cool parce qu'il va flip Je juste en le vois dessous. pas. Deux lignes en tout. Flux horizontal. Ouais. Et celui-là, il est tout neuf. Il est arrivé il y a une version et demie. Et en fait, il travaille avec la carte graphique. Donc il va plus vite si t'as beaucoup de calques, par exemple. D'accord. Ouais. Intéressant. Et ça vaut le coup peut-être de remapper ton raccourci d'habitude sur ça. Parce que finalement, ça fait la même chose, mais ça ne transforme pas l'image. Ce qui fait que le sens de départ que tu avais donné à ton image, tu le garderas à la fin. Tu D'accord. l'oublieras pas au milieu. Mais en tout cas, ouais, c'est super. Hein. Franchement, merci beaucoup pour cette image. Merci à vous de m'avoir invité et j'espère que c'était intéressant pour les personnes qui étaient dans le chat. Écoute, ils sont restés scotchés pendant 1h37. Je pense qu'ils ont trouvé ça intéressant. Ceux qui sont C'est cool. partis ont été obligés d'aller nourrir des enfants ou d'aller chercher des C'était pour pizzas ou la des trucs. pizza, c'est ça. Ah, mais je comprends, moi, si j'avais une pizza, je serais pas resté. C'est ça, c'est ça. Ouais, non, mais y a ça. J'ai Si faim. tu nous fais un FF, comme ça on voit ton image en grand, c'est le lever de pinceau de la fin. Attends, je vais juste faire un dernier truc. Attends, je prends encore un quart d'heure. Non. Non, mais si je balance un SharePoint, ce sera plus facile de voir. Toc. Donc on nous dit en mode on mange quoi et on mange quand, quelle est la taille de l'image et comment choisir la taille. Quel est c'est grand, c'était trop bien, c'était super intéressant, c'était très cool. C'est pas une personne, hein, c'est 15 personnes. Parce que dis donc, cette personne d'ailleurs a des Ouais, questions. on a un mec hyper enthousiaste. Alors, pour la taille de l'image en général, en fonction de ce que je vais faire à l'étape où j'en suis, pour ce genre d'image, je travaille assez petit, on va dire. Ouais. Je suis sur du 2 par 1, sur 2048 par 1024. En général, ce genre d'image, je ne veux pas trop grand, mais les images où je sais que soit je pars sur la 3D ou soit c'est vraiment de l'illustration où je vais passer du temps. C'est plus sur du 5000 pixels en Ouais. général. Et c'était quoi l'autre question? La taille de l'image et comment la choisir, donc ça c'est bon. Mind Tourist nous dit top, super session, merci beaucoup Geoffrey, j'ai appris plein de trucs. Merci. Super taf de manière générale. Très intéressant, c'était cool comme tous les contenus proposés cette semaine. Merci Yann. Voilà, bah écoute, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Et n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, quoi que ce soit, en général, vous pouvez m'envoyer des messages sur. Là où je suis le plus souvent, en général, c'est sur Twitter et sur Facebook. Si vous regardez il me semble que tu avais mis ça dans la discussion, mais Extrasys, en fait, c'est Tout à le fait. pseudo sur quoi vous pouvez me trouver quasiment partout. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, ouais, c'est ce que j'ai. C'est ce qu'on a mis dans la description. C'est ce que j'ai remis dans les liens. Vous retrouverez les liens sur le Discord. Vous irez chercher un petit peu dans le chat, puisque le chat reste. Vous pourrez lire tout ça. Bah, merci à toi, en tout cas, d'avoir été d'aussi bon Merci matin toi. avec nous.
Et de Je suis en nous train de me avoir coucher. partagé tout ça. C'est ça, hein, tu vas te retourner te coucher, mais nous aussi. Et pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Il reste encore Il y a encore le temps. un petit peu de marge. Pour rappel, et juste par principe pour tous, toute la semaine, il y a eu ça. Il y a eu 16 sessions, design, illustration, photo, motion, vidéo. On a parlé de plein de sujets, on a reçu plein d'artistes et plein d'invités. Et si vous regardez en bas de votre écran, vous avez les autres sessions, vous avez les replays, vous avez déjà les sessions de la semaine prochaine. En termes d'illustration, la semaine prochaine, on aura du fresco avec Aurore B et Laura Lullier. Et on aura du Illustrator en fin de semaine avec Fabien Gilbert. Donc vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Si vous n'étiez pas abonné, c'est le moment. Si vous n'êtes pas encore passé sur Behance, vous pouvez venir nous voir. Et ben, merci à tous. Merci à toi d'avoir Bonsoir à été avec tous. nous. Et puis à très très bientôt. Bye bye. Merci, au revoir.